deuxième business. On ne profite pas qu'à deux. Avec lui, on laisse ses plumes. Il est sensible au son de la monnaie. Il tressaillit au moins de bruit de jeu. Kofi Gombo, comment ça va? Ça va très bien. Ta tête ne me dit rien du tout. Kofi Gombo, toi aussi. C'est vrai, moi quand je vois des têtes bizarres comme ça, je... Moi bizarre. Regarde, tu me vois là-bas? Ta tête ne me dit rien du tout. Coupe de mes... Regarde-moi, regarde. Je te vois. Je te vois. C'est toi qui me devais 65 000. Tu ne me connais pas? Non, ta tête ne me dit rien du tout. Mais absolument rien. Tu as la tête bizarre comme ça, la main. Moi, tête bizarre. Tu me devais 65 000 francs il y a 3 ans maintenant de cela. Tiens, c'est Kofi Gombo. Toi, ton affaire, c'est où? Depuis là où tu te cachais. Toi, tu t'es quitté ou toi? Mon ami, il y a quoi? On se connaît pas. Non, je te connais pas. Kofi Gombo, tu me connais pas. Moi, je te connais pas. Mon ami, il est 90 000. Quoi? Que tu allais me prendre avec moi. Hey. Mais 90 000 madame, tu dis quoi? J'ai dit, Kofi Gombo. Mange. Mais 90 000. Est-ce que je te connais? J'ai dit. Tu me connais pas? Monsieur. Tu ne te rappelles pas à voir. Mon ami, il a dit de ne pas l'énerver. Oh, écoutez, monsieur, ami, moi, je n'ai pas. C'est mon ami. Il dit de ne pas l'énerver. 65 000 francs. J'ai dit. J'ai vu ma chose le premier. Je n'ai pas affaire à lui. Kofi Gombo. Attends, vous savez de vous parler? Voilà. Tu sais qui tu parles? Tu sais qui tu parles? Pas ça. Moi, je suis le premier. Mais je m'en fous de ça. Mais il me doit. Est-ce que je vous ai. Non, je ne fais pas ça. C'est Kofi Gombo qui me doit. Est-ce que je me suis adressé à vous? Est-ce que tu le connais? Donne mon argent. Est-ce que tu le connais? C'est quoi ça? Est-ce que tu le connais? On dit quoi ça? Oh, mais il s'en va là. Ça veut dire quoi? Oh, Kofi Gombo. Mais 90 000. Mon argent. Kofi Gombo, mon argent. Voilà. Est-ce que moi j'ai dit que je rembourse pas votre argent? Rembourse-nous maintenant. Il faut le faire maintenant. Moi, en tout cas, tant que tu ne rembourses pas mon argent, tu ne bouges pas. Voilà. Est-ce que vous avez appris le braquage de la banque là? Quelle banque ça? La grande banque là de mon quartier là. Mais il y a trop de grandes banques. Moi j'ai été victime d'un braquage. J'ai été victime d'un braquage. Toi, Kofi Gombo, victime d'un braquage. Il y a longtemps, je vous cherchais même pour remettre votre argent. Vous voyez, la grande banque là, de mon quartier là. Ouais. Vous avez appris le braquage de la grande banque là, non? Je sais. Où il y a beaucoup de milliards là. Oui. Voilà. C'est-à-dire, la majeure partie de l'argent qui a été emporté, c'est moi mon argent. La banque, ah là, bon? C'était pour toi. Ah bon, ah bon. Oui, regarde ce chantier-là. La maison, là. La maison, là, c'est moi. Je suis en train de construire la maison blanche d'Afrique. C'est la maison blanche d'Afrique. C'est ça qui est là. C'est ça, moi, je suis en train de construire. Oui. Mais là, maintenant, je suis en train de construire le Pentagone d'Afrique. Oui, oui, c'est moi seul qui fais ça. Non, maintenant, depuis que la banque a été braquée, oui. Tous les milliards emportés, moi je suis là maintenant. La maison est bloquée, je peux plus. Donc je suis. J'ai appelé Bill Clinton. Oui, oui. J'ai appelé George Bush Jr. Yeah. J'ai appelé Jacques Chirac avec Tony Blair. Tu le connais? Ils vont me faire venir l'argent, bon, puis j'ai achevé. On est des gratifs, hein? Bah, attends. Donc, pose l'affaire de 60 000 et 4 000. Ça, c'est des jeux d'enfant. C'est ça. Kofi Gombo, moi je demande une chose. Il faut mettre en contact avec Kofi Annan. Ça c'est rien ça. Si la banque n'avait pas été contrôlée, aujourd'hui là, non, ça va. On allait parler de... Non, Kofi Gombo, ça va. Je me tue. Je me calme. Voilà, tu te calmes. Mon ami. Oui. Kofi Gombo, vraiment, il a des problèmes. J'ai des sérieux problèmes. Calme-toi. Mon ami. Oui. Kofi Gombo a des problèmes là. Ouais. Il faut qu'on l'aide. Bon, pour l'aider, moi je donne 5 000 francs. Hein, Kofi Gombo. Ah. 5 000 francs. D'accord. Il faut essuyer tes larmes. T'as d'accord. Bon, ouais. Voilà, comme bon. Il va me montrer son cousin, même pas même mère, Kofi Annan. Voilà. Moi je devais donner 5 000 francs. Voilà. Je devais donner 5 000 francs. Ouais. Mais je te donne 10 000. Voilà. Il faut essuyer tes larmes. Bon, mais Kofi Gombo. Mais dès que tu recevras de l'argent de la part de tes amis là. En même temps, il faudra nous rembourser. Hein, ah ouais, ouais. Parce que là, la prochaine fois, je ne pardonnerai pas. Voilà. C'est okay. Ça. Bon, merci beaucoup. Bon, du courage. Voilà. Bon, mon frère. Comment il est parti? Non, Kofi Gombo là, il connaît Kofi Annan. Il connaît George Bush. Voilà, c'est il peut m'aider. Je suis Kofi Gombo là, il est bien. C'est bien, si, moi, il va me donner ça là. Kofi Gombo. C'est de ce monsieur là que vous parlez. Oui, madame, le monsieur là. Celui qui était là. Cette maison ne lui appartient pas. Quoi? Vous dites quoi, madame? J'ai dit qu'il n'est que le gardien. Tu as vu ça? C'est toi qui crois aux histoires stupides là? C'est pas possible. Il n'a rien dans son. Gaou m'a cherché, Gaou m'a trouvé. Avec Kofi Gombo, no pity in business. No pity in business.